Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube Un Scooter Bourgogneur. Sur cette chaîne YouTube, on va vous proposer des vidéos ludiques, mais aussi pédagogiques, tout autour du territoire. Aujourd'hui, avec Joséphine derrière la caméra, on est ouette. Mais Joséphine, c'est quoi l'ouette? Il y a des gens derrière, allons leur poser la question. C'est retrouver des copains. C'est voir tout le territoire et rencontrer des gens aussi. Il y a tous les compas, tous les chefs qui viennent, non? Un truc comme ça? Ouais, ça ressemble à ça. C'est ça. Et bah, donc c'est mon premier week-end territorial pour moi, je suis très content d'être là. Ok, et petite question, t'attends quoi du ouette? J'attends de rencontrer beaucoup, d'échanger aussi avec les nouveaux chefs, le territoire que je connais déjà, mais pas tout le monde finalement. Donc... Bah, le ouette, c'est un rassemblement où on va tous se retrouver dans le territoire et un moment que entre chefs, compas, et c'est trop chouette. Alors pour moi, on va parler de choses entre chefs et de méthodologie, des trucs comme ça, et du coup ça peut être intéressant. À un moment, on rencontre tous les adultes du mouvement. C'est un week-end, hein, donc des belles rencontres. Des rencontres avec d'autres chefs, hein, on sait jamais. Des jumelages peuvent se créer ici. Et c'est aussi l'occasion de pouvoir participer à des animations que d'habitude on organise dans nos maîtrises. Un week-end fait pour les chefs, en fait. Toute l'année, on s'occupe des jeunes. Et cette fois, c'est un moment où on s'occupe des chefs, justement. On prend le temps pour eux et on prend le temps aussi d'avoir un week-end convivial tous ensemble. Voilà. C'est un peu le week-end de rentrée où on revoit tous nos camarades de Bourgogne-Nord. Et puis bah, ça nous permet en même temps de donner un cap et puis de nous dire ce qu'il y a à faire dans l'année, etc. Quelle idée d'avoir été les derniers à voter. Dans quoi nous sommes embarqués? Tout a commencé avec un aviateur qui rêvait d'un loup et d'une colombe envolée. Voilà 100 ans que ça a commencé. Ce n'est pas prêt de s'arrêter. 100, c'est dans la place et ça va perdurer. Du projet. Enfin, cher monsieur, ça permet de fédérer les membres du territoire. Tout est dit. Le projet, c'est le fondement du scoutisme. La séance est levée. Aujourd'hui, je prends l'engagement d'agir au mieux. Développer la fraternité humaine, contribuer à l'éducation selon la loi, l'esprit et la méthode du scoutisme. Et cette passation du territoire. Merci tout le monde.
On a eu un super temps jusqu'à là, mais sinon on s'est bien débrouillé, on a fait des échanges, des partages, enfin, c'était vraiment top quoi. C'était un super week-end, c'était incroyable. C'était incroyable de se dire là on est là, tout est allumé pour nous et c'était rigolo. Oui, c'était super, j'étais contente d'avoir tous les copains. Vraiment un week-end riche, riche en idées, riche en discussions et riche en jeux parce qu'on a fait une super veillée qui était géniale. Bah, super bien, ça fait super plaisir de retrouver un peu tout le monde. En plus avec le wet l'année dernière qui s'était pas passé, on sentait qu'il manquait un peu un lien dans le territoire. Du coup de retrouver ça, j'étais super heureuse. Super week-end, très content d'être là surtout, très content de retrouver tout le monde. Surtout après le pèlerinage. Et hyper sympa d'avoir des temps pour échanger, pour présenter les projets, tout ça, c'est vraiment super sympa. Super.